Bonsoir tout le monde. Donc on se retrouve ce soir pour parler de la pratique du Guru Yoga, qui est donc une pratique spirituelle, qui est une pratique que nous faisons dans le cadre de notre lignée de transmission spirituelle, qui est donc la lignée Drukpa, la lignée Drukpa Kagyupa. Et nous avons présenté cette lignée en détail il y a quelques semaines. On y a passé du temps, on a vu son histoire. Donc un petit rappel, c'est donc une lignée de transmission qui trouve son origine en Inde, au sein de grands accomplis, les Mahasiddhas de l'Inde. Alors bien sûr, au départ, le point de départ, c'est le Bouddha Shakyamuni. Et puis ensuite, donc une transmission jusqu'à ces grands êtres accomplis, les Mahasiddhas, et en particulier quelques Mahasiddhas très particuliers pour notre transmission. Donc c'était des Indiens, les plus notoires sont Tilopa, le Mahasiddha Tilopa qui a transmis à son disciple Naropa, qui est devenu également un grand accompli, un Mahasiddha, ça veut dire grand accompli, grand maître éveillé. Et puis cette transmission de la réalisation est passée au Tibet. Alors c'est grâce à un Tibétain qui est venu la chercher en Inde, c'était donc Marpa, le traducteur, et nous avons vu qu'il a passé plusieurs dizaines d'années en Inde, qu'il a fait 3 voyages, et il a fait preuve d'énormément de motivation, de courage, d'endurance, pour recevoir ces enseignements, pour les pratiquer et pour les ramener, les traduire et les transmettre au Tibet. Au Tibet, nous avons vu que son principal disciple, le plus notoire et le plus important, c'est Milarepa, qui, à travers sa très grande dévotion, sa confiance, et puis les efforts extrêmes, la grande persévérance, la grande énergie qu'il a mise dans la pratique, il a réalisé le fruit de la pratique, il a obtenu les siddhis, obtenu les accomplissements, et donc atteint l'éveil, le grand éveil. Et puis, depuis Milarepa, la transmission s'est poursuivie avec les disciples de Milarepa
en particulier Gampopa, dont le disciple réalisé principal pour nous, c'est Pamodokpa, qui l'a transmise à Lingchen Repa, qui l'a transmise à Drogon Tsampagare, qui est Drogon, c'est le protecteur des êtres, c'est un titre et en même temps c'est son nom, Drogon Tsampagare, qui est donc le premier Galwang Drukpa, le fondateur de cette lignée de transmission dans laquelle nous nous inscrivons. Et voilà pour une première approche historique, un petit résumé de ce que l'on avait vu sur l'histoire. Ronyum kudus, trebu tenderabdins, tene si ngabadi lamine jure, kunle cheba, samanane za chishu, ke chishu di lamine jure, tilandama kajajin ngas, tene istera istera di dama tudam gilagus, telgu kuchishi, tu dam gilakus, tene dogan samba jerege talgo kuchishi tu tam ji korunga asedi, tene istara istara gu. Jitan dangma samji michabarete, tanga jamna, dangma dombo sum, dang kaja jenunga, tene tu dam gilakus, o dila tsu digi yore, di mainda mangbore samji michabareta. Da disu ti dangwa diso tam chigi ngul ndogoya di ngundu la manager diso resu. Ngundu la manager di meba la dangwa di nyamsu lang choguyo mare, nyamsu lang tubuyo mare, jilam chuguyo mare. Di inzang ngundu di kechimbo charita. Dene digungpa ki charantu tsangma ki ngushi seti Mahamudra Tsongkwa Chimbo Ngushi Seyate Gechimbo Tsikidu. Tene Ndikungi Nga Ngushi Gechimbo Mare, Ngondo Gechimbo Reyes. Che Ngushi Le Ngondo Sab Seyate, Tene Ngondo La Tene Ngushi Kegeo Reyes. Tene Seyate, Tene Ani Dukwa Deso, Dukwa Kaji, Tumu Mayimbe, Ngondo Chanda Nyamlenje Lukso Yore. Beda Sengdarimba Chintz, Ngondo Nishu Tangi, Chubdin Tangi. Tujibe machise loma di sungundu dunju chunga tende chantang yores. Tunganzu timo mayimbari, tungaranzu lukso la. Ngaranzu nyamlin tungundu chantang jenindu go yore. Ngundu tsarji, nyisumji, ngadu dunjen. Tende tingintang. Tangwa tsa chimbo disugi, ngundu dugo adi, ngundu ki nyamlin. Tende ngundu nane, jawang dukwa chungni pagi, Aranso, Chijek Midisola, Mundo Dando, Dudu Chik Lela was in Yamlin Jetuya, Ditia, Debdin number. Tilang Mundo Chasang Yasta, then Guru Yoga, Santa Lavetti. Guru Yoga said,
Mondo la manager, c'est bien normal. Mondo la manager, c'est dit. Mondo chier, dit n'importe la manager, c'est. T'as dit, j'en ai pêché, j'ai pas j'en a, conception en été, junior. Tu dis, dit, j'ai honte pour tu n'y pas été là. J'en ai honte la manager, c'est. Car c'est dit, t'as moins de son yamlin, j'ai mon là. Mondo dit, mambo, t'as un goyore, son homme sa goyore, t'es quoi ta goyore. Tenishine, tama chaje shimbo la sopa ki chilam ti tabu yores. Di ngundu di meva ina chilam top tabu yomare. Anso nyumong ba daa yomare, dikba daa yomare, sonam tabu yomare. Sonam matava chogi chilam kaba chugore. Di inzang za chimbo di ngundu re, sa diri taong. Donc, le fondateur de la lignée Drukpa, celui qui l'a initié, donc le premier Galwang Drukpa, Tsampagare, il présentait sa transmission, la transmission de son enseignement et de sa réalisation en l'ayant systématisé et donc avec une façon systématique de présenter ce qu'il enseignait. Et il disait que les instructions qu'il transmettait, elles condensaient trois grands courants, trois grands, le terme qu'il emploie, c'est trois grands troncs, trois grands, on va dire, courants en français. Les trois grands courants, l'un des courants, c'est le courant dont on vient parler, qui est le courant le plus important, qui est le courant de la réalisation. Et cette réalisation, donc, c'est celle qui venait de Marpa, le traducteur qui était allé en Inde, Milarepa, etc. Et cette réalisation, c'est la réalisation donc, dont il disait, c'est quelque chose qui a été formalisé par Gampopa. C'est la tradition de Gampopa. Et puis, en matière d'instruction orale de pratique, il disait que cette tradition-là venait de Rechungpa. Donc ça, c'est encore une tradition différente de celle de Gampopa. C'est celle qui correspond au yoga de Naropa, aussi yoga, et au tantra comme ce tantra de Vajrayogini. Donc ça, c'est la tradition de Rechungpa. C'est la tradition qu'on appelle orale. La lignée orale, si vous regardez le texte de Vajrayogini que nous avons, il y a marqué pratique de la Yum dans la tradition orale. Donc ça, c'est un autre courant de transmission que Tsampagare transmettait. Et puis un troisième courant qui disait, c'est ma transmission à moi, c'est moi qui donne ça. C'est ce qui venait de lui-même, qu'il n'avait reçu d'aucun maître humain, qui était en notamment les fameux enseignements des sept interdépendances. Ça, il disait, ma tradition à moi. Donc les enseignements Drukpa, tels qu'il les présentait, enfin Drukpa, lui, il était le Drukpa, donc on peut dire que c'est les enseignements Drukpa, c'est donc la réunion de ces trois grands courants. Et une autre façon de les présenter, c'est de parler des cinq grands principes de pratique, si on veut, qui sont la vue philosophique, qui est la vue du Mahamudra, la grande union, la méditation ou la pratique de familiarisation, qui sont les yogas de Naropa, les six yogas, la conduite, qui est l'égalisation, la saveur unique, les six égalisations de la saveur. Et puis la pratique des sept liens d'interdépendance. Et le cinquième point, c'est ce qu'il disait, ce qu'il présentait comme étant le point le plus sublime, qui est plus important et plus magnifique que tous les autres, qui est la pratique du guru, le guru puja, qui est une forme de guru yoga. Voilà une autre présentation de sa transmission. Une autre, c'est sous forme de déité, donc les déités principales, les yidam, ou les formes de méditation qui préservent l'esprit, sont au nombre de 9. 9 déités, on avait vu ça en détail, donc vous le retrouverez si vous voulez voir les enregistrements.
On avait vu qu'il y avait 9 déités qui peuvent être divisées en 5 plus 4 avec celles qui sont d'utilité immédiate et celles qui sont de contemplation plus générale, etc. Il y a plein de façons, en fait, il y a énormément d'enseignements, bien sûr, dans la lignée de Rupa, et il y a plein de façons de les présenter. Et voilà, l'idée, c'est de comprendre que c'est une lignée spéciale avec ses spécificités qui comprend beaucoup de pratiques différentes. Mais toutes ces pratiques qui sont donc transmises par une lignée, c'est-à-dire transmission d'instructions de pratiques, toutes ces instructions, on ne peut pas les mettre en pratique, on ne peut pas faire toutes ces déités, etc., et tous ces yogas, etc., ou ce Mahamudra, etc., on ne peut pas le faire sans préparation. Donc avant de se lancer dans les instructions de ces instructions de la lignée, il y a à se préparer pour pouvoir les faire. Parce que non seulement on ne peut pas, c'est-à-dire que ce n'est pas correct, mais en plus, ça ne marche pas. Et donc, il y a une préparation où il y a un préliminaire pour pouvoir faire ces pratiques-là. Et c'est ce qu'on appelle les pratiques préliminaires. Préliminaire, ça veut dire que c'est ce qui précède, c'est ce qui vient avant les autres pratiques. Alors, parfois, on pense que, comme ça s'appelle préliminaire, on n'est pas au cœur de la pratique spirituelle, on n'est que dans quelque chose qui n'a pas beaucoup d'importance, qui n'est pas très profond. Et que la pratique profonde, c'est la pratique qui vient après les préliminaires. Ce que nous appelons dans les sadhanas, on dit qu'il y a la partie préliminaire, préparatoire, et il y a la pratique principale. Eh bien... non, en fait, c'est pas une vision correcte de comment il faut comprendre les choses. Il y avait à l'époque le très grand maître, le fondateur d'une des lignées Kagyu, le grand Drikungpa, qui disait « Les gens pensent, vous tous, vous pensez, et je ne sais pas à qui s'adressait, mais vous tous, vous pensez que les préliminaires, c'est secondaire, et ce qui est important, c'est ce qu'on appelle la pratique principale. » Eh bien, nous ne pensons pas comme ça. Nous, qui sommes donc une lignée de pratiquants qui atteignons l'éveil, une lignée de yogis, nous considérons que ce sont les préliminaires qui sont les plus importants et qui sont ce qu'il y a de plus profond. Et ça, c'est important de le comprendre et de comprendre que dans les préliminaires, il y a tout ce dont nous avons besoin. Toute la profondeur de la transmission est déjà dans les pratiques préliminaires. Si bien qu'il est important de les faire, bien sûr, pour pouvoir faire ensuite les autres pratiques, mais non seulement de les faire, mais d'y passer du temps et éventuellement d'y consacrer sa vie, parce qu'elles sont tellement profondes, ces pratiques, qu'à la limite, on n'a besoin de rien. Nous avons dans notre tradition des maîtres qui ont passé leur vie à faire les préliminaires. Alors que, comme disait le fondateur de la lignée Drikung, il disait, vous pensez que c'est le Mahamudra et que c'est le Dzogchen qui est important et les préliminaires, ce n'est pas important. Mais nous, on pense que le Mahamudra et le Dzogchen, c'est secondaire par rapport aux préliminaires. Et nous avons des maîtres connus, par exemple Sandrak Rinpoche, il les avait fait 15 fois, les préliminaires. Et dans les disciples de Chipen Pema Chögyal, donc ça c'est 2-3 générations en arrière, il n'y avait pas de disciples qui ne les avaient pas fait au moins 7-8 fois, beaucoup les avaient fait 10 fois, voire 15 fois. Et nous, notre approche de la pratique dans cette lignée, cette grande lignée de réalisation qu'est la lignée de Rupa, c'est de les faire plusieurs fois, vraiment d'aller au fond de la profondeur des pratiques préliminaires, c'est-à-dire les faire 5, 6, 7 fois. Et même davantage. Hein. Et si on n'a fait rien d'autre comme pratique dans sa vie, il n'y a pas d'inquiétude à avoir puisqu'il y a énormément de profondeur, toute la profondeur est là. Il y a plus de profondeur dans les pratiques préliminaires qu'il y en a dans les autres pratiques. Alors pour nous aider à se préparer, à préparer notre esprit à faire ces pratiques préliminaires, il y a des rituels, il y a des textes qui sont des soutiens, des aides au travail spirituel. Et il existe différents textes, plus ou moins courts. Et il y en a un qui est extrêmement court, extrêmement condensé, qui est le petit texte qui s'appelle le petit livret que sa sainteté a préparé
pour nous, pour que nous ayons quelque chose d'extrêmement court et bref et facile. C'est le petit livre qui s'appelle Petit Livret, édité à Drukpa, à Drukpa Ploré, qui s'appelle Les pratiques préliminaires du Guru Yoga. Et alors, ça s'appelle Pratiques préliminaires du Guru Yoga, mais à l'intérieur, il y a les quatre pratiques préliminaires principales qui forment ce qu'on appelle les pratiques préliminaires. Donc, c'est de cela dont nous allons parler. C'est cela qu'il faut pratiquer. Ce sont les pratiques préliminaires et les faire de nombreuses fois et vraiment y consacrer du temps. Parce que à travers ces pratiques préliminaires, nous accumulons les mérites dont nous avons besoin, l'énergie positive, nous nous chargeons d'énergie positive, nous purifions les obscurcissements, les voiles, les négativités qui nous empêchent d'obtenir la réalisation. Et avec tout ça, nous recevons aussi la transmission de l'influence spirituelle de la lignée, de l'influence, la bénédiction de la réalisation. Nous obtenons la grâce. Et ça n'est possible de recevoir cette grâce, d'avoir ce transfert de réalisation que si nous nous préparons à travers une grande accumulation de mérites et une grande purification des négativités. Sans mérite, sans énergie spirituelle positive et sans purification de tout ce qu'il y a de négatif que nous nous trimballons tout le temps dans notre courant de conscience, Il n'y a pas de possibilité de recevoir la grâce. Et on peut se dire, je vais pratiquer Shiné, je vais pratiquer la méditation, la vraie méditation qui amène à la réalisation, la pacification de l'esprit. Mais pour pacifier l'esprit, pour bien le pacifier, il faut recevoir la grâce. Et pour recevoir la grâce, il faut se purifier et se charger d'énergie spirituelle. Donc, voilà pourquoi nous allons parler de ces pratiques préliminaires ce soir. Tene milirimbuchi tobala juji gogore, judi tsutumsung gogore, singore. Tenzang, tene lodo nambashi ki tangbodi, inji minji dikwa pangki watup, tsutumsung gogore, sechi hako kogudu chikche. Tene nipadi mitakpa sedi, tene mitakpa samlo tang gogore. Tene milirimbuchi tobu yenaya milirimbuchi di mitakpa rangshin re ko, mitakpa siyadi, Tiring yona sangi mebar tene sukhangi guarantee yamare tene tinza mitakwa syadi chene kavandugudu tadi shiko yore nago yore gego yore moderta mitakwa tinza mitakwa samlo tangne tengonzo gi tsunduke go semla de milirimbuji no tola mando wajik tene mitakwa komedi pe gechi musungara sanjege tangbo denbashi sungdiran, denshi mitak chuduk sene, tene mitakwa chanzang sungyor. Tende nganzo mitakwa komeyate pe kechimu samlo tangayate. Mitakwa jewe tama kawandukudu shigiri, sakpe tama kawandukudu zedukuyore. Sedi pesha sasasa, nimaji kawandukudu zodukuyore. Disa samlo tangdi nipate mitakwa komu. Tene sumbadi lejumde, sedita, anzo yangdakwe tawa rangi jula kye goyore. Rangdakwe tawa jula make na chenyamsu lentu goyomare. Yangdakwe tawa jula kya di karesena lejumde yobar tawa. Tene dikwa dan gyewa ngoshene, dikwa panya gyewa tuya di
légumes de l'Ebertawaj. Tene Shiba de Kurwe Nimik Sidi, da Kamsum Kurwa, Kawa Kienayang, Nagu de Shigudu. Tene Chegana Shigitungagi Rangshin Redu Samne, Kurwa de Ningbu Mindu Samne, Kurwa la Shenjak. De Majin Ma, de Shenjan Yungrutan, Kurwa la Zimbab Maya Tabre. Di Shidigi. Gechimuranda, the shidi, kitene, tenu lo chane, tene, yamlin se yapuyo sohore. The shidi lo chang mena, yamlin mena, mundu yapuyo mare. The dinzang tambu, tumung yung on the lot of number she, sadi, tene, around the two some jack, gechimuchares. Donc, ces fameuses pratiques préliminaires. Donc en tibétain, on les appelle ngonjo. Ngon, ça veut dire préalable. Jo, ça veut dire aller. Donc c'est ce qui va avant, ce qui vient avant, donc préliminaire. On distingue dans les pratiques préliminaires, en fait, deux pratiques préliminaires, deux types de pratiques préliminaires. Un premier groupe de quatre pratiques préliminaires qui sont dites communes, c'est-à-dire qu'elles sont communes à d'autres véhicules bouddhistes et même à d'autres traditions, pas dans le sens où elles sont communes et on les trouve aux quatre coins de rue, c'est pas ça, hein. Ça veut pas dire ordinaire et banal, ça veut dire qu'elles sont communes à d'autres traditions. Et puis il y a les pratiques préliminaires non communes qui sont spécifiques au Vajrayana. Donc, si vous avez la dernière version du Guru Yoga qui a été publiée, moi, celle que j'ai dans la main, en avril 2018, il y a une mention de ces pratiques préliminaires communes qui commence, on va dire, à la page 9, et puis, qui est donc un préliminaire des préliminaires des préliminaires. Et puis ensuite, page 10, la première pratique préliminaire commune. Donc j'étais en train de dire il y a les pratiques communes à d'autres traditions spirituelles et d'autres traditions bouddhistes, et il y a celles qui ne sont pas communes aux autres traditions. Et ces pratiques préliminaires qui sont communes aux différentes traditions, c'est un travail de raffinement de l'esprit, de purification de l'esprit, d'exercice de l'esprit, qui consiste à purifier ou à raffiner notre esprit pour que notre esprit se soit détourné du samsara, qu'il soit tourné vers l'éveil, qu'il ne soit plus dans une attitude samsarique, à être emporté par l'attitude samsarique. Donc ce détournement de l'esprit, ce virage de l'esprit, c'est un raffinement de l'esprit, c'est un travail spirituel qui se fait avec quatre contemplations ou quatre exercices spirituels, dont le premier, donc si vous avez le même texte que moi, c'est page 10 du Guru Yoga. Si vous l'avez pas, c'est pas grave, sinon vous l'avez aussi si vous avez le véhicule de la grâce, au début du véhicule de la grâce, c'est extrait du véhicule de la grâce. Donc la première de ces pratiques ici, elle est appelée méditation sur la difficulté de trouver libertés et richesses. Je vais vous la lire. Ces libertés et richesses sont extrêmement difficiles à trouver. Lorsqu'un être humain a obtenu cet état salutaire, s'il n'en cultive pas les bienfaits, comment par la suite pourrait-il bien le retrouver ? Retrouver cet état salutaire qui est un état d'être humain doté de liberté et de richesse. C'est ce qu'on appelle la précieuse existence humaine. Donc, cette première contemplation qui va détourner notre esprit du samsara, qui va le raffiner, mais c'est une contemplation, c'est un travail spirituel, c'est un travail sur notre propre esprit pour le purifier, c'est de comprendre et de contempler combien nous avons actuellement acquis, obtenu un état salutaire. C'est-à-dire, c'est quoi ces libertés, ces richesses qui qualifient cet état salutaire ? C'est de vivre dans un monde et à une époque
où les enseignements de l'éveil existent. Les enseignements bouddhistes sont là, comme on dit traditionnellement, le Bouddha s'est manifesté. Nous avons rencontré cet enseignement, nous avons rencontré un être éveillé, le gourou, et nous avons les conditions pour pouvoir pratiquer l'enseignement qui mène à l'éveil. C'est ça l'état salutaire, c'est de pouvoir pratiquer l'enseignement qui mène à l'éveil. Si toutes ces conditions ne sont pas là, qu'on est un être humain ou qu'on est quoi que ce soit, mais qu'on n'a pas la possibilité, qu'on n'a pas l'opportunité de pratiquer, d'atteindre l'éveil, alors on n'a pas une précieuse existence humaine, on n'a pas ces libertés, ces richesses. Peut-être en apparence on les a, mais en réalité on ne les a pas. Et ce que dit le texte, c'est que quand on a utilisé cet état salutaire, il faut l'utiliser. Maintenant qu'on a les conditions et la possibilité d'atteindre l'éveil, il faut atteindre l'éveil. Si on ne le fait pas, quand on sera mort, comment est-ce qu'on pourra retrouver ces mêmes conditions? Voilà ce que dit le texte. Et donc, la contemplation de cette précieuse existence humaine, c'est comment faire aussi pour m'assurer d'avoir, d'abord, donc, utiliser cette précieuse condition humaine, cet état salutaire, et comment je l'ai eu, est-ce que je peux m'assurer de le garder, cet état salutaire? C'est quoi la cause? C'est quoi, qu'est-ce qui fait qu'on peut l'avoir, cet état? C'est de ne pas commettre d'actes négatifs et d'accomplir des actes vertueux, d'être vertueux et de ne pas être nuisible pour autrui. Donc ça c'est ce qu'on appelle la discipline, l'éthique. C'est ne pas faire le mal et faire le bien. Avec cela, on s'assure de retrouver des libertés et les richesses qui qualifient une précieuse existence humaine. Voilà pour la première contemplation, mais dont il faut vraiment se pénétrer. Ce n'est pas juste une connaissance intellectuelle, c'est vraiment un travail de raffinement de l'esprit. La deuxième pensée, c'est la page suivante. Donc ici, elle s'appelle « Méditation sur la mort et l'impermanence ». Les trois mondes sont impermanents comme les nuages d'automne. Naissance et mort des êtres ressemblent à un balai. Le passage de la vie, tel l'éclair dans le ciel, progresse aussi rapidement que chute l'eau des cascades. C'est une contemplation et une réflexion sur l'impermanence. Le texte que l'on récite, c'est juste un rappel. Toute la contemplation, ce n'est pas juste la récitation, c'est vraiment contempler cette condition qui est la nôtre. Et cette condition d'impermanence, c'est-à-dire que cette précieuse existence humaine, cet état salutaire qui est le nôtre, en fait, on ne va pas le conserver. C'est pas, nous avons demain, aujourd'hui nous l'avons, demain est-ce que nous l'aurons encore? Non mais sérieusement, demain personne ne peut garantir que demain nous l'aurons encore. La mort frappe sans prévenir. Donc, et elle frappe qui que nous soyons, où que nous soyons, quelle que soit notre condition de naissance, nous allons mourir. Et nous ne savons pas quand. Nous allons tomber malades, etc. Donc maintenant que nous avons un état salutaire, ce n'est pas le moment de le dilapider, ce n'est pas le moment de le gaspiller, ce n'est pas le moment de le gâcher. Il faut l'utiliser. Et l'utiliser, ça veut dire faire des efforts. Ne pas, voilà, parce que demain, ça sera peut-être fini. Demain ou après-demain, c'est fini. Et donc, cette contemplation, si on l'effectue bien, si on raffine notre propre esprit avec cette deuxième contemplation, la mort et l'impermanence, on génère l'effort enthousiaste, la persévérance, la diligence dans la pratique. C'est la vertu de contempler l'impermanence. À quoi ça sert de se dire « je vais mourir » C'est du coup, je pratique avec effort, avec enthousiasme. Et le Bouddha Shakyamuni disait que de toutes les contemplations que nous pouvons faire, contempler notre impermanence est la principale, la plus importante des contemplations. Parce que c'est celle qui va être la plus efficace pour nous amener à pratiquer et à nous libérer. La troisième contemplation, à propos d'impermanence, il y a l'impermanence de notre précieuse condition humaine, de notre précieuse liberté et richesse qui font que maintenant nous avons un état salutaire. Demain, les conditions peuvent changer pour une raison ou pour une autre, mort ou autre chose, maladie ou quoi que ce soit. Et nous ne pourrons plus.
pratiquer, mais l'impermanence, elle s'applique à tous les aspects de notre existence, c'est-à-dire que si nous aimons bien les richesses ou le confort, il faut savoir que ça aussi, ça ne dure pas, que au mieux, ça dure une vie, et de toute façon, quand on meurt, on ne garde rien de ce que nous avons accumulé. Donc, les richesses, les amis, les connaissances, toutes les bonnes choses auxquelles, pour lesquelles on gaspille notre vie, sont impermanents et ne valent pas le coup. Ce qui vaut le coup, c'est utiliser cet état salutaire. Donc, la troisième, contemplation. Littéralement, on parle de contemplation, mais méditation, c'est bien aussi, puisque c'est un travail sur l'esprit. Elle s'appelle « Méditation sur la loi du karma, les actes et leurs résultats ». Donc je lis le texte, vous avez le même dans le véhicule de la grâce, ici page 12. « Le temps te frappera au roi, et quand tu devras partir, ni tes richesses, ni tes femmes, tes amis ou proches ne te suivront. Les êtres que nous sommes, qui que nous soyons, où que nous allions, sont suivis par leurs actes seuls, comme par leur ombre. » Ça, c'est la contemplation que l'on doit effectuer jusqu'à raffiner notre esprit, jusqu'à avoir ce que l'on appelle la vue correcte, la vue juste, c'est-à-dire comprendre que tout ce que nous faisons donnera un fruit, ce qu'on appelle la loi du karma, la loi des actes et de les actes en tant que cause et résultat. Et donc, quand on comprend cette loi, et quand on a la vue pure, la vue correcte, pardon, à ce moment-là, on comprend qu'est-ce que ça veut dire un acte négatif et un acte vertueux. C'est ça la vision pure. Et donc, c'est ça qui va nous permettre de raffiner notre esprit et de le détourner du samsara. Et puis, la quatrième contemplation, page 13 dans mon Guru Yoga de 2018, qui s'appelle « Méditation sur les implications malheureuses de la ronde samsarique ». Donc, à cause de l'ignorance du désir compulsif d'exister, les êtres migrent parmi les hommes, les dieux et dans les trois sombres destinées. Dans ces cinq lieux d'errance, ils tournent en rond sans comprendre, tournant à l'image du tour du potier. Les souffrances de la vieillesse et de la maladie embrasent le triple monde, et le feu de la mort y fait rage, dévorant, sans protection, apparaissant par conditionnement, perpétuellement confus, les êtres tournent en rond, tels dans un bocal, une abeille enfermée. Ça, c'est notre condition samsarique, c'est tourner en rond. Tourner en rond par ignorance, par le désir d'exister, d'avoir et d'être, et qui nous font migrer dans toutes les conditions samsariques. Et où que l'on aille, pourquoi est-ce qu'on contemple cette condition samsarique avec tourner en rond et mourir et renaître et mourir et renaître ? C'est pour comprendre que où que nous prenions naissance, nous serons confrontés à la mort et nous retomberons et nous retournerons en rond. Et contempler et vraiment faire cette pratique préliminaire commune à d'autres voies spirituelles, c'est lâcher notre attachement à cette vie et aux choses de cette vie. Lâcher notre attachement au samsara, à l'existence. C'est ça donc le raffinement, le virage de l'esprit que permettent ces quatre pratiques préliminaires. Et avec ces quatre pratiques préliminaires donc, que l'on appelle communes à d'autres traditions spirituelles, on purifie notre courant de conscience. Pour pouvoir purifier notre courant de conscience à travers ces quatre contemplations, il est important d'étudier ce que recouvrent les implications de toutes ces quatre grands principes. Et donc étudier, recevoir les enseignements, lire les enseignements et y réfléchir, les analyser et les mettre à l'épreuve de notre propre expérience de la vie et de notre capacité d'analyse. Tene ta tumung gi ngon roje tene nipa de tumung mayim bi ngon ro se de tene ngon ro de la ngon ro shi jor shi yor ta jap sun ro wa sem che pa tene la man dor ji sem ben yam len men der fi ya la men de jor shi ngon ro shi jor de la bum shi la pyo ka yin sa na bum 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 jen ro wa bum shi la pyo. Tene tangbo,
Tene dambu di tene dambu chapsun thoku yore. Tene thekwaji mo semche ku yore. Chapsu di nyambu tene rangi lunga yisum ki dikpa. Daya ki tabla tene cha tene cha bumji yi tse ku yore. Tila da ngundu dambu la ku yore. Tene ngundu nyipa di da dikabla nyamne la Chapsundone, Chapdo Citinambo, Chatsegoera, Dogen, Chatsetuna, Seguata, Sematumna, Tene Chapdo Tanga, Munejena, Luxunala, Madame Chicoma, Madame Cadania Bessemjan de la Mason Chichugula, Madame Cadania Bilamal, Tidene, Chatsegoere, Chatsematumna, de Tanga, Pumchik Sagoer, Chapdo, Tere, Titambotici. Tene digi kariyorsena lunga yisum ki dikpa sasha chidi ma nyungru tangne dikpa ma datu kuyores. Tene nyeba di tene dorji semba kumgo kuyore. Dorji semba kumdi tseramne sasha chidi dikpa diso ma chukuyore, ma dagiyore. Tela nama dorji semba rangi chiyorlo kum tene ombezar sato samaya manu palaya de tuntang tene lama dorje semba kusung to gichi la rangi lunga yisum ba rangi lunga yisum de tene tune den dikwa tan jiba tam jipa tuya ti nyam nen di dorje semba nyam nen di dorje semba bum chik de ande tene lama dorje semba nyam nen ji tene di jela ta dikwa da char ba cha che dorje semba gom tene dikwa madana On se la chugin up jib to wherever, the answer in Jimmy Dikwa Dag Warrior. Tene Dikwa de Kandis Tagger is in a tene on the Shakbo Finitag Warriors, La Mandorjis and Manyam Nakabla, Shakba Jigger, Gonda, Nedipo Mambu Jason, say Shakba de la Topsigon, Shaksay, Topsigon, Tambu Tingitop, La Mandorjis and Bala, Nurangitio Locomia. Tene shakwa ki top, tene shakwa ki tsik disu tenya, tene rangi nontu jechu disu, tene kondas, tene maungbali nge dikwa tene zane jegi men tseya. Dila nda rangi shakwa jeye seyo, lamandur chisimba nyamlin di, dikwa shayaki nyamlin reyese. Tene sumba di, tene anzo la, Sonam top gohyar da dikwa da cha na sonam gohora sonam saya tabla tene mendre phyatre mendre phyati yela dimanane cha chewe yela chebo phyo yela di tene mendre chebo phyo yela tene mendre kabla one jenden pechan alda mang bo yong go yarte dor tene tene rangi lyudang longju Tene kadang nyambe dowa dodo semjin zambo ding tamji tene gonju so la pa pyo di la tene mendera se yor din din di sumji tene shiba di la manager ji da dor dina tene chires Une fois que l'on a donc raffiné notre courant de conscience et que l'on est détourné du samsara, de cette ronde, de cette ronde de cercle vicieux, on passe aux pratiques préliminaires non communes, qui sont au nombre de quatre. Donc on parle des quatre préliminaires souvent, et il s'agit de ces quatre préliminaires non communs, qui sont donc la prise de refuge et le développement de l'esprit d'éveil, la méditation, récitation de Vajrasattva, l'offrande du mandala de l'univers et la pratique d'union au gourou, guru yoga. On appelle ça aussi la pratique des 400 000 parce qu'on accomplit ces pratiques 100 000 fois chacune. Et donc 4 fois 100 000, ça fait 400 000. Donc la première pratique préliminaire non commune, c'est la pratique du refuge. Qui est suivi ensuite de la pratique du développement de l'esprit d'éveil, de la bodhicitta.
Et on peut joindre les deux, pratique du refuge et pratique de la bodhicitta, comme nous le faisons nous dans notre tradition. Donc on fait cette pratique en se prosternant, tout en récitant verbalement la pratique du refuge et de la bodhicitta, qui chez nous est Manam Kadang. Alors dans le petit livret du Guru Yoga, il y a d'abord une pratique de refuge, page Sangecho Danso Gecho Namla, qui n'est pas spécifique du tout à notre lignée. Mais dans notre lignée, habituellement, c'est Manam Kadang, toutes nos mères, dont l'immensité et l'infinité est égale à l'espace, se prosternent ou prennent refuge. C'est ça que l'on récite 100 000 fois, donc ça fait 100 000 prises de refuge avec la bodhicitta, puisqu'on pense à tous les êtres et que tous les êtres se prosternent avec nous et prennent refuge avec nous. C'est une pratique de refuge. Donc l'esprit prend refuge, la parole récite et le corps se prosterne. Donc il y a quatre. Donc si vous ne connaissez pas le Guru Yoga, c'est vers la fin. Manam kadang nyampe semchen tam shelama sangye che kiku la kapsichi. Manam kadang nyampe semchen tam shelama long chosopeku la kapsichi. Dans le Guru Yoga de 2018, c'est page 26 et 27. Tous les êtres nommèrent, dont l'infinité est égale à l'espace. Il n'y a pas de notion de nombre. Hein. C'est important de savoir qu'il n'y a pas de notion de nombre. C'est une notion d'infinité, d'espace. Et donc, on fait 400 000 prosternations en récitant et mentalement en prenant refuge. Et en même temps, ces prosternations et cette attitude de l'esprit, l'esprit qui se réfugie dans le gourou, dans l'éveil, ça opère une purification. Donc à la fois une purification du corps par la prosternation, une purification de l'esprit si votre esprit, quand vous pratiquez, prend refuge, et une purification de la parole par le fait de dire que l'on prend refuge. Ensuite, la deuxième pratique préliminaire, c'est la méditation-contemplation de Vajrasattva. Dans la version de 2018, page 17, s'appelle Vajrasattva, méditation et récitation. Donc c'est une méditation, une contemplation, un travail de l'esprit qui visualise au-dessus de soi le gourou Vajrasattva et qui reçoit une douche purificatrice, une transmission purificatrice qui descend sur soi. Et en même temps que l'on récite le mantra de Vajrasattva qui dans le livret doit être page 18 ou 19. Voilà, page commence à la page 17, puis page 18 et 19. Et on recite ce mantra 100 000 fois tout en procédant à cette pratique de purification à travers laquelle le corps éveillé, la parole éveillée et l'esprit éveillé du gourou, de l'éveil, de Vajrasattva, descend sur nous et vient purifier les négativités qui viennent de notre attitude et de nos actes nuisibles ou négatifs du corps, de la parole et de l'esprit. On récite 100 000 fois et c'est une purification si on associe à cet exercice spirituel ce qu'on appelle les quatre forces de purification. Alors là, on ne rentre pas trop dans les détails ce soir. Si vous avez des textes qui parlent des préliminaires, il y a tous les détails. Vous les avez aussi un peu résumés, mais quand même mentionnés dans le véhicule de la grâce. En gros, ce qui permet à la purification de se faire, c'est d'abord de s'appuyer sur la présence de Vajrasattva, ce qu'on appelle la force du support ou de l'appui. Ensuite, la force du regret, c'est-à-dire que, il faut d'abord reconnaître que nous sommes négatifs, reconnaître qu'avec notre corps, notre parole et notre esprit, nous avons commis des actes négatifs et les reconnaître séparément, distinctement, ça c'est négatif, ça j'ai fait ça, j'ai dit ça, j'ai pensé ça, c'est négatif. Le reconnaître, le regretter, c'est la troisième force qui est très importante, de ne pas être fier ou de ne pas être indifférent à nos actes nuisibles et nos pensées nuisibles, mais de les regretter comme du poison.
Et puis, quatrième force qui est de décider fermement de ne pas recommencer. Et donc, c'est une formule où, dans laquelle on peut dire « Oh pardon, pardon Vajrasattva, pardon l'éveil, pardon la nature ultime des phénomènes, j'ai été négatif ». Mais en mobilisant ces quatre forces. Si on ne mobilise pas ces quatre forces, la purification n'a pas lieu. Et si l'on ne se purifie pas de tout le négatif que l'on a accumulé par le passé et que l'on continue à cultiver à cause de nos tendances, on ne peut pas développer un chemin spirituel. On est complètement bloqué dans notre chemin. Quoi que l'on fasse et quoi que l'on puisse en apparence faire de vertueux, il faut se purifier de la négativité, de nos négativités. Donc ça, c'est ce qu'on appelle cette pratique. Et puis d'ailleurs, on récite, hein, peut-être pas dans le petit Guru Yoga, mais dans le grand Guru Yoga au moment de Vajrasattva, on a une prière de confession dans laquelle on dit « Je vous en supplie, pardonnez-moi, j'ai été négatif ». En fait, le mantra le fait ici, si vous avez le petit Guru Yoga, il y a une traduction du sanskrit, le mantra est en sanskrit. Il y a une traduction qui dit un peu ça, hein. Dans toutes mes actions, page 18, dans toutes mes actions, rendez mon esprit vertueux, qui donne un petit peu l'idée de ces quatre forces qu'il faut mobiliser, ces quatre forces de notre esprit qu'il faut activer pour chacune des négativités que nous trimballons. Ensuite, une fois que l'on s'est purifié de tout ce qui est négatif, il faut se charger de positif, se charger de mérite. Et la pratique la plus formidable pour se charger de mérite, c'est l'offrande du mandala de l'univers. Quand on parle de mandala ici, dans ce sens-là, ça veut dire le mandala de l'univers. Et donc, c'est une pratique d'offrande qui vient comme dans la prière en sept branches pour l'accumulation de mérite. Vous savez, on commence par les prosternations, ensuite on fait les offrandes, donc dans les grandes pratiques préliminaires, on a toute la récitation des sept branches d'accumulation, puis vient au moment de l'offrande, l'offrande du mandala. Donc c'est l'idée, c'est d'offrir, c'est de tout offrir, comme il est dit ici, j'offre mon corps, tous mes corps de toutes mes vies, tous mes biens, toutes mes possessions, tous mes mérites. Et je les offre pour accumuler des mérites et de la sagesse. Da antu mundu nyamne kabla tambo cha chewa jab jab simje cha chewa je ni ba dorje semba sumba mendre disu kabla dene cham dabu je thumna digre je ma thumna digre inji minji cham gwae yo mare sungu to da shiba lamme nejur kabla ina inji minji pe cham tambo je ne yago je ne Tambo lama tengu vichensen. Tene lama di tenger yuba lame tseni sedi lama ganjung manjung maimba. Lama di kandaji gorsena lapsum juden nyamnyong lama chokos. Lava tsurum ki lava. Tene pe nyamnen yongen. Tene juba dan demba nyamnyong tarchimba. Lapsum juden nyamnyong lama chokos. Tene lama yaku yuwa pengi mare, loma yaku kukure, loma dikandu kukure sena, deba, tsundu, sherab, nyingji, tezen, sherab, nyingji, loma ose. Tene lama dengi bechuse, tene repa lame tseni, tene lame nenjur ngugi nyamlen, juktaqtan pengen sene, sabja namba, shi yungur, juktaqtan pengen se. Tene jihangu wache, tene di tone, tene pecha di nangla, tene lame nejur ki nyamlen kabla, tene sanga lame kere, tene rangi dorje pamo ki kur sil tapu yore, nidi ju chunam tonyo, rangri ju ishi rangsuk ne se di, tene rangi supu di,
Nous parlions donc de ces pratiques préliminaires non communes, spécifiques, avec la première qui est donc prendre refuge et développer l'esprit d'éveil, développer la bodhicitta et ce faisant physiquement se prosterner. La deuxième pratique préliminaire qui est la pratique de purification avec la méditation, visualisation et récitation de Vajrasattva. Et la troisième qui est l'offrande de l'univers, ce qu'on appelle la pratique du mandala. Et on accumule donc 100 000 fois chacune de ces pratiques. On peut le faire en retraite, c'est bien. Si vous pouvez le faire, c'est bien. Si vous ne pouvez pas être en retraite pour le faire, c'est bien aussi. Ça marche aussi, c'est possible aussi. Par contre, quand on arrive à la quatrième pratique préliminaire non commune, à ce moment-là, la tradition, c'est à ce moment-là, il faut être nécessairement, obligatoirement, en retraite stricte, en retraite solitaire, confinée. Il n'y a pas moyen de procéder autrement si on veut qu'il y ait le transfert de la réalisation. Et donc c'est ce qu'on fait traditionnellement. On se met en retraite au moins pour la quatrième pratique préliminaire, si on peut, bien sûr, hein, si on ne peut pas. Et donc cette pratique, c'est donc le Guru Yoga. L'union, en français on dirait l'union à l'éveil, le yoga du gourou. Et pour pouvoir opérer cette union à l'éveil,
Il y a différents chapitres, si vous voulez, pour comprendre et pour faire les choses bien. Premier chapitre, c'est comprendre pourquoi est-ce qu'on fait cela. C'est quoi la raison de s'en remettre à l'éveil, à un gourou, une manifestation de l'éveil. À quoi ça rime ? Et bien sûr, à quoi ça rime ? Il y a tous les enseignements à étudier et à contempler pour bien comprendre cela. Mais pour dire les choses simplement, il n'y a pas moyen d'atteindre l'éveil si on ne s'en remet pas, si on ne suit pas, et si on ne se relie pas, et que l'on ne s'unit pas à l'éveil, à une manifestation de l'éveil, pour commencer, une manifestation sous forme humaine. La question de se relier à un maître est donc la première question qu'il faut résoudre. Et ensuite, la deuxième question, c'est quoi un gourou ? Comment trouver le gourou ? Qui est digne de la pratique du gourou yoga pour nous ? Évidemment, ce n'est pas n'importe qui. Il y a dans les textes des descriptions des critères pour être un gourou qualifié d'une manifestation de l'éveil. Cela veut dire que la personne qui est un gourou qualifié est une personne qui est le détenteur de toutes les bénédictions de la réalisation de cette lignée, qui a accompli les trois grands entraînements, entraînements dans la discipline, dans la méditation, dans la sagesse, et qui est allé au bout de ces entraînements, qui a quelqu'un qui a beaucoup pratiqué et qui est allé au terme de l'expérience, qui a une expérience parfaite et complète jusqu'à son terme. Ce n'est pas tout d'avoir trouvé un gourou qualifié, un ou une, hein, comme dit sa sainteté. Il faut soi-même être qualifié, c'est-à-dire que le gourou, la personne humaine qui est gourou, doit remplir des conditions d'éveil, mais le disciple ou la disciple aussi doit être qualifié. Et les qualités qui font d'une personne un ou une disciple qualifiée sont principalement quatre grandes qualités spirituelles qui sont la dévotion, une grande dévotion, une grande diligence, un grand effort dans la pratique, une grande sagesse et une grande compassion pour les êtres. Ça, c'est ce dont parlent tout le temps les textes, hein. Dévotion, effort, sagesse et compassion. Ensuite, le chapitre suivant, une fois qu'on a rempli tous les chapitres précédents, toutes les conditions précédentes, on parle de plusieurs points, comment rentrer dans la pratique, et puis quels sont les bienfaits de la pratique, etc. Donc c'est à ce moment-là, c'est quand on arrive à ce terme-là, qu'on a déjà résolu tous les autres, qu'on sait pourquoi, qu'on a trouvé qui, que soi-même on est qualifié, à ce moment-là, on rentre dans la pratique du guru yoga proprement parlé. Donc, dans notre petit livret, le guru yoga proprement parlé, il commence page 21. Donc page 21 dans l'édition de 2018, le guru yoga du Mahamudra, la pratique ultime d'union spirituelle avec l'esprit éveillé du maître. C'est pas du tout ce qui a marqué dans le titre, il y a juste marqué union au guru. Donc guru yoga. Qu'est-ce que c'est que faire cette pratique ? Ça commence Nidhiki Chanam Tong Ningang, la nature des phénomènes dualistes et la vacuité. Donc, première chose à établir, c'est la vacuité de cette non-dualité, de tous les phénomènes. Dans la réalisation de la vacuité de tous les phénomènes, dans laquelle il n'y a plus de dualité, ce qui est le sens du premier vers qu'il faut réaliser, hein. Ce n'est pas une récitation, c'est une méditation, arrive dans cet état-là le deuxième vers qui dit... à savoir que ma conscience primordiale, qui est l'état de pureté de mon esprit, prend forme. Je ne lis pas la traduction, je traduis. Donc, c'est la réalisation de la vacuité qui prend forme. Troisième vers, quelle forme elle prend ? Elle prend la forme de Vajravarayi, qui est
la forme de la mère de tous les victorieux, les victorieux Bouddhas, etc. Ensuite, suit une visualisation de cette forme, qui est la forme de Vajravarayi, donc une jeune fille qui a 16 ans, qui, etc. Et là, on applique tous les principes de la visualisation dont nous avons parlé il y a quelques semaines. Donc, la visualisation, si vous avez besoin d'aide, elle est représentée à la dernière page du Guru Yoga. Je ne sais pas si la caméra me montre, je crois qu'elle ne me montre pas du tout. Mais si vous avez votre Guru Yoga, en troisième de couverture, vous avez la représentation de Vajrayogini, Vajravarayi. Et nous avons vu que la pratique de visualisation comprend quatre points. Le premier point, c'est que tous les détails doivent être très clairs et très précis, la couleur, les ornements, la posture, les attributs, etc. L'expression, très clair, très détaillé, premier point. Deuxième point, nous devons être conscients du sens de ce que nous visualisons, de cette image qui est très claire, c'est-à-dire les attributs, la couleur, la posture, les ornements. Tout cela a un sens, tout cela exprime les qualités pures de l'éveil, la pureté de l'éveil. Donc il faut avoir présent à l'esprit le sens de ce que nous visualisons dans tous ces détails. Le troisième point, en tibétain, on l'appelle une fierté ferme, c'est-à-dire la conviction absolument ferme et inébranlable d'être cette manifestation que nous visualisons. Ne pas voir, c'est ça qu'on appelle une fierté, c'est une conviction d'être cette manifestation de la pureté dans tous ses détails. Et le quatrième point, qui est que la manifestation est visible, apparente, mais dénuée d'existence. Donc c'est la réalisation et la contemplation de cette absence d'existence propre de la manifestation. Avec, on peut utiliser les exemples habituels de ce qu'on appelle traditionnellement l'illusion magique, que nous on pourrait appeler peut-être en français l'hallucination, à savoir des choses qui apparaissent mais qui n'existent pas. L'exemple traditionnel, les exemples, c'est l'arc-en-ciel dans le ciel, clairement là, coloré dans toute sa vivacité de couleurs. Et en même temps, on ne peut absolument rien saisir, ce n'est pas là. L'exemple de la lune qui se reflète sur l'eau, tout le monde peut voir le reflet de la lune, et pourtant, si on met la main dans l'eau, il n'y a pas de lune dans l'eau, etc. Donc ça, c'est le quatrième point pour que notre visualisation soit une vraie visualisation du Vajrayana. Et la même chose s'applique à la deuxième partie de la visualisation qui est décrite dans le texte, donc page 22 de la version de 2018, dans le deuxième ligne. Dans le vaste espace en face de moi se trouve le Saint Guru Racine. Je ne dis pas Lama, hein, puisque sa sainteté ne dit jamais Lama, il nous dit de ne pas dire Lama. Donc le Saint Guru Racine, Vajradhara. Son corps est paré des 32 marques excellentes. Son visage souriant rayonne de compassion et de bienveillance envers moi. Donc ça, c'est Vajradhara que nous visualisons dans l'espace en face de soi, en appliquant les mêmes principes de la visualisation du Vajrayana, la clarté dans tous les détails, les couleurs, les attributs, la conscience claire dans notre esprit du sens, de la pureté que reflètent, qu'expriment ces détails, la conviction que nous sommes vraiment en présence de Vajradhara et la réalisation que c'est manifeste et en même temps ça n'a pas d'existence propre. Et donc, ce que nous visualisons en face, c'est notre Guru Racine. Notre Guru Racine, c'est sa sainteté, le Gyalwang Drupa. Et nous visualisons le Gyalwang Drupa sous la forme de Vajradhara. Donc, la forme, c'est la forme du Guru Vajradhara, du Bouddha Vajradhara. Mais en essence, c'est le Guru Racine. Donc, c'est notre Guru, c'est le Gyalwang Drupa, c'est sa sainteté, le Gyalwang Drupa. Et sa sainteté, le Gyalwang Drupa ou le Guru Racine, Vajradhara, il est la personnification de toutes les manifestations de l'éveil, de tous les états d'éveil, ce que l'on appelle l'union de tous les Bouddhas, des trois temps, des dix directions, etc. Tous les Bouddhas, tous les êtres éveillés, tous les êtres saints sont dans cette présence de Vajradhara,
dans notre pratique, on ne l'a pas ici, dans le petit guru yoga, mais dans le véhicule de la grâce, on a cette prière qui dit « Sangye Kundu Tsawe Lamala », c'est-à-dire « Ô guru racine, ô guru racine qui est l'union de tous les Bouddhas ». Et donc voilà, ça c'est le gourou, et le gourou c'est Vajradhara, c'est le Bouddha primordial, c'est l'éveil primordial. Ça c'est très important, le gourou, comme disait Tilopa, vous savez, Tilopa qui est donc un peu l'ancêtre premier de la lignée Drukpa, il disait, moi je n'ai pas de gourou humain. Et il y a beaucoup de gens qui comprennent cette phrase comme... Tilopa, il a été en Odhyana, il a rencontré directement Vajradhara, Vajravarahi, il a reçu la transmission directe de ces êtres éveillés, et il n'a pas reçu la transmission d'un être humain, d'un être éveillé sous forme humaine. C'est souvent compris comme ça, d'autant plus que Tilopa, effectivement, a rencontré Vajravarahi, etc. Mais non, ce n'est pas ça qu'il faut comprendre. Tilopa, il a été comme tout le monde, il a d'abord étudié et pratiqué sous la direction de maîtres spirituels, et il a eu des gourous humains, mais quand il dit je n'ai pas eu de maître spirituel humain, ça veut dire qu'il n'a jamais considéré, conceptualisé que son gourou était un être humain. C'était direct, en présence du gourou, il était en présence de Vajradhara. Il ne voyait pas un être humain, il voyait directement Vajradhara. Donc c'est ça l'idée. Et c'est ça qu'il faut cultiver, travailler et pratiquer quand on fait la pratique du guru yoga. Alors la pratique du guru yoga, donc on visualise le gourou sous la forme de Vajradhara dans l'espace en face de soi. Il y a différentes façons de faire ça. On peut visualiser qu'il est entouré des maîtres de la lignée, qu'il est entouré des différentes manifestations de l'éveil. On peut imaginer, il y a différentes traditions, différents textes qui décrivent différentes façons de faire. Ici, dans le guru yoga, c'est très simple. Il n'y a qu'une seule personne, c'est le gourou, c'est Vajradhara, et c'est Vajradhara qui est ce qu'on appelle le joyau unique, le joyau qui représente tous les joyaux et qui, en une seule manifestation en une seule figure contient toutes les autres manifestations. C'est, donc on appelle ça la tradition de visualisation du joyau unique. Et puis, une fois qu'on a posé cette visualisation, on travaille avec cette manifestation de l'éveil, nous-mêmes sous la forme de Vajravarahi, en face de soi, l'éveil sous la forme de Vajradhara, le gourou racine, ça s'intègre également à Drupa. Et nous rentrons en relation et nous cultivons une relation avec l'éveil. Alors, dans le texte développé du ce qu'on appelle la guru puja, la puja du guru, ou les textes développés du guru yoga, même dans le véhicule de la grâce, il y a des détails qui sont indiqués de comment développer cette relation. Avec des offrandes, on présente des offrandes extérieures, intérieures, secrètes, etc. Ici, non, il n'y a rien de tout ça qui est mentionné. Ici, il y a surtout mentionné qu'on adresse nos prières au gourou. Et alors, la prière que nous adressons au gourou, ici, dans ce texte, c'est principalement le fameux Manam Kadang, tous les êtres dont l'infinitude est semblable à l'espace, prie le gourou. Il y a une autre prière que nous avons dans le véhicule de la grâce que l'on peut utiliser aussi, même si on utilise le petit gourou yoga, on peut tout à fait piocher dans le véhicule de la grâce. Au contraire, c'est bien si on a le temps de faire ce qui est dans le véhicule de la grâce. Et il y a donc une prière qui est, je ne l'ai pas sous la main, donc je n'ai pas la traduction exacte. C'est celle qui fait Sangye Kundu Tsawe Lamala Gosum Gupa Chempe Sowadep Demeneluk Rango Shepadan Sedan Drupal Nyampara Jinjilo Lama Sangye Rinpoche Lakyatsucho Chude Sangye Rinpoche Lakyatsucho, c'est-à-dire je m'adresse au gourou racine qui est l'union de tous les Bouddhas. Je lui adresse ma prière avec mes trois portes, ça veut dire avec mon corps, avec ma parole, avec mon esprit, je supplie le gourou
Bénissez-moi, accordez-moi votre influence spirituelle, accordez-moi la grâce de réaliser la nature primordiale de mon esprit, la nature ultime de tous les phénomènes, et faire que ma vie et ma pratique soient indissociables, c'est-à-dire que chaque moment de ma pratique, de ma vie, soit un moment de pratique du Guru Yoga. Et donc, on récite cette prière 100 000 fois, ou bien le Manam Kadang 100 000 fois, ou bien il y a aussi une tradition qui est de faire un peu des deux. Alors, une façon de le faire traditionnellement, c'est d'accumuler. Donc, vous savez, traditionnellement, donc on est en retraite stricte, on fait 4 sessions, matin, 2 le matin, 2 l'après-midi. Et chaque session, quand on parle des fameux 100 000 dont on parlait tout à l'heure, 100 000, 100 000, 100 000, on fait une session de 1000 chaque jour, donc 4000 par jour. Donc dans chaque session, 1000 récitations ou 1000 prosternations. Donc ici en l'occurrence, 1000 récitations de la supplique au gourou. Et si on combine et on associe les deux prières, ça va être le Manam Kadang, le tout nommer semblable à l'espace, 100 fois, un mala complet, et puis ensuite Sangye Kundutsa ou la mala, 900 fois. Voilà une façon de combiner les deux textes qui est possible et qui se fait traditionnellement, et qui amène donc à faire 1000 récitations dans la session. Ok, da, donc nous allons passer à la pratique. Si vous avez le Guru Yoga de la version de 2018, page 21, et si vous n'avez pas cette version-là, ce n'est pas grave, vous allez à la page du Guru Yoga qui vient après l'offrande du mandala. Ça peut être page 16, 17 ou 18, ou 15 ou 14. Oyni de jeje namado oyni arare jeje ra zoni jayon jendor je pame go lo jeje lembe elanzo. Sela marae zeje te mbaenja Radenje enamga ayambaro Jezawe lama dojeja Kuze zazonye ijeje zeng Tutte vejerzo dall'altro C'è la gente c'è di sede Lo se c'è gube se vuole Tu e daiere baraggio Je
Tujhe jene le waray dindelo Tendre adhavla ke waray dindelo Dirtse danda dambaray dindelo Chugye wadu tobaray dindelo Chogi wado tobar dindelo. Dala me nejiru sawatab tsarne, tene kasing keje mambu shere, tene wangshi ki chilab shuwe tele kuyo res. Tamantila wangshi. Tandi dring deshe magwa che, wangshi kusung tu ishi ki wangrangi lunga isumla shuwe. Après avoir longuement prié le maître, le gourou, on requiert la transmission des quatre initiations. Donc ça, on en a beaucoup parlé de ces quatre initiations les semaines qui ont précédé en détail. Donc là, on ne va pas rentrer dans les détails. C'est le moment donc de procéder à ce transfert de capacité, de pratique. Qu'on appelle les quatre initiations ou les quatre transmissions de pouvoir du corps, de la parole, de l'esprit et de la conscience primordiale du gourou qui viennent à notre corps, notre parole, notre esprit et notre conscience primordiale. Telela shone ambo gaveje sebe drama jandozo olonje doma gwenjeke drembara yangage telela Shone zawai jogeme melambaja sedozo. Ombande alama jujigo ningara zemje tilela. Shune shera ishini nidumma sendozo. Kombo lenji jib gu te waraye je telela. Shune jibe wanguru. Ome dobar jinjelo Dedara dadar namanje Lunga yeda yejedo Dorje jeda nyamjur Guje wajo tobajo Lama jago rasme da barando rango jede denje zondejo nase gunja lame rabade tarto guzo lama dumar ajo. Dene lama kikusun tuk ishigi jinabrang watop tal lama korang jayuge nambar gongbu jurne dene rangla tim gogore. Rangla tim di lama kikusun tuk ishidang rangi lunga isum nyambu trene de chunana chulubwa nasing omanala omaluma nasing dene siparesin meba jurne dene rangi Rangi lunga isum di la mikusundola jursong sam
dene ditone rangiyang tomanya laba jurne dene chaja sembo komiyagi tusinda bomma tidir la ma word la ma san wangshu la mechila rangwa tim dene rangi mimi bo tomanya de jur tingang la dene tsichitu ne semmayeng bache comme j'ai dit, la manager de comme donc, on vient de procéder à d'abord la réception des quatre initiations. Et puis là, ce qu'on vient de faire, ce que vient de dire le texte, on accompagne ça d'une dissolution. Quand on dit ainsi pour moi et tous les êtres, quand nos pauvres esprits et connaissances sont unifiés à vos quatre dorgés, puissions-nous obtenir l'omniprésence des quatre corps. Le lama Dhammakaya est notre esprit parfaitement pur, reconnaît aussi le sens de la sublime prière. En même temps, on dissout le gourou que l'on visualisait au-dessus de soi ou en face de soi, se fond en lumière. Et cette lumière vient en nous, elle vient se fondre en nous par le sommet de notre tête, elle descend en nous et elle se mêle à nous-mêmes, qui étons donc sous une forme non ordinaire, et vient cette union qui est un mélange dans lequel on ne distingue plus le gourou de soi, le gourou Vajradhara de soi-même, Vajravarayi. C'est comme quand on verse de l'eau dans de l'eau. Dans un verre d'eau, on verse de l'eau. On ne peut pas séparer l'eau qu'on a versée et l'eau qui a reçu l'eau. De la même façon, quand on verse du lait dans un récipient qui contient du lait, on ne peut pas séparer, c'est indissociable. Et donc, dans cet état d'indissociabilité du gourou et de soi-même, on repose. On repose, il n'y a plus rien à conceptualiser dans cet état-là. C'est l'état de la grande vacuité, il n'y a plus de visualisation, il n'y a plus de conceptualisation, il n'y a plus aucune fabrication. Et c'est donc le moment de méditer. Et quand on parle de méditation, dans notre tradition, quand on dit pratiquer la méditation, on parle toujours de cet état-là. C'est-à-dire qu'avant la méditation, il y a ce moment où l'on se relie au gourou, on reçoit les quatre initiations du gourou, le gourou se fond en lumière qui vient se dissoudre en soi, et c'est dans cet état d'inséparabilité dans laquelle les... il n'y a plus aucune fabrication que l'on repose en méditation, que l'on repose en paix, en tranquillité. Et ensuite, on fait, après la méditation, on fait la dédicace des vertus. Donc on va méditer une seconde, une minute. Let's meditate for 1 minute. Je la ne denge
Je vais te donner.